23, c'est un plaisir une fois encore pour nous pour nous présenter un programme dans langue créole haïtienne qui c'est rendez-vous avec un grand point cap dominé actualité. Bonjour, bonsoir à tout le monde, dépendamment de nan ki lè et qui côté wap gade et tande édition journal ça. Déjà m'abdou bienvenue côté que nous pral partager ensemble avec vous quelques informations cap dominé actualité a aujourd'hui. Nous pas pour émouter, mais si vous abonnez avec channel la kounya même j'ai que wap gade sous écran. Nous garantissons n'a toujours kembe ou pour capable être informé de tout ce qui a passé en Haïti ou à l'étranger. Donc abonnez-vous pour capable toujours au courant à chaque fois que nous venons avec une nouvelle vidéo sur le channel là. Nous connaissons pressé, c'est peut-être ça n'a pas été directement dans nouvelle nous pour aujourd'hui. Et après n'a tourné pour reste détail. Et nouvelle là parti comme ça. Actualité internationale, gen Israël Hamas la gen yon mois, plus passé 10 000 moun déjà perdu la vie pendant affrontement yo a continué. Secrétaire d'État américain Anthony Blinken a continué virer yon li dans la région Proche-Orient. États-Unis justice, ancien président Donald Trump fait déposition yon l'autre fois encore devant un tribunal dans New York dans le cadre d'un procès civil pour fraude. Et puis en Haïti, Akon Montana fait une nouvelle proposition pour remplacer le Premier ministre Ariel Henry qui lui-même a cherché un nouveau accord avant 7 février 2024. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le fond, merci d'être choisi VOA Créole pour informer cette première sortie pour ce matin. Nous disons, passez une bonne semaine de travail. Actualité à peine d'abord dans New York. Pour nous parler de justice, et bien des anciens présidents Donald Trump qui fait des positions. Yon l'autre fois encore devant un tribunal dans le cadre yon procès civil pour fraude en vol entrée dans le tribunal là. Il fait déclaration et l'a sorti. Il fait déclaration pour dire que la victime a bu. Nous sommes sur place dans New York. Valérie Salut. Ancien président Donald Trump arrivé dans le tribunal New York la matin, lundi 6 novembre, pour témoigner dans le procès côté que lui accusé pour fraude civile. Les Trump a entré dans le tribunal dans Manhattan matin vers 10h, il était dit journaliste que lui c'est une victime de la guerre politique. Il prend le défendre tête lui contre accusation que lui a fait magouille, bail menti, sous valeur réelle. En... C'est pas saisi comment saisi. Pourquoi ça a été dans la douane? Il a été dans la douane d'abord. Vous avez fait rendez-vous pour passer aujourd'hui. Vous avez un plan pour passer aujourd'hui. Parce que vous avez un peu de temps. Toujours d'après notre autorité haïtienne, vous avez publié, mercredi 4 8 novembre 2023, Fontia pral réouvrir pour un petit bout de temps encore. Mais fois ça, c'est pour commerçants haïtiens qui peuvent côté fin prendre marchandise dans le marché d'Abonna. Jodelet Junior Saint-Ville, depuis Wanamet, au VOA Créole. Donc c'est là que nous mettons fin à la vidéo non pour aujourd'hui. Un grand merci avec vous-même qui t'a regardé la vidéo, ça fait nous plaisir en pile en pile. Donc une façon capable de prouver que vous appréciez le travail, c'est là que vous quittez un like sous vidéo qui dit que vous remet information que nous souhaitons partager ensemble avec vous dans la vidéo aujourd'hui. Et là que vous abonnez ensemble avec la chaîne là tout, ou dites que ensemble nous capable de bâtir une communauté ensemble et laisse ça ou fait qu'elle a débordé avec la joie. Donc abonnez-vous et puis activez la cloche là pour capable recevoir une notification dans mes YouTube à chaque fois que nous même nous poster une nouvelle vidéo sur la chaîne là. Et partagez la vidéo aussi par un autre ami comme ça lui même tout la capable de gagner information dans bon petit mamite même j'ai ensemble avec. Donc malgré tout le monde rendez-vous avec nous c'est pour une autre vidéo d'information sur même channel ça.